Bonsoir, et Panat Desailo, et non pas c'est Marcus Panatis. On connaît déjà et chaque monde a un spécial invité pour nous. Et cette fois-ci, nous sommes obligés de couvrir des Haïtiens qui ont parlé de l'accès, monsieur. Et Guy François, qui est le ministre de Chili, et non pour nous, mais si je vous mets un peu là, nous sommes obligés de demander pour faire une petite interview pour nous dire comment nous sommes haïtiens. Il s'est débuté en Chili et il résultat du et qui s'en est espéré. Le ministre Kouda, on se fait pour présenter, on a son présenter, on a parlé avec le Kouda et puis voyager à la Chili. Bon, tout d'abord, je salue M. Jean-Baptiste, je salue tous les internautes et les citoyens. Je vous remercie de l'application du Grand Pile Follower, ça donne, je suis trois et cinq habitants en Chili. Et effectivement, et Alcien, au protocole d'accord, m'a dit qu'il se passait à la. Vraiment 29 qui c'est un protocole d'accord entre la République d'Haïti et la République d'Argentine, plus précisément la province de Buenos Aires, un protocole d'accord au niveau sportif, côté nous allons renforcer des formations pour les athlètes haïtiens, puis on prend formation en Argentine. Et c'est de ça que nous avons fait déplacement et vers le Chili, parce que nous avons jugé nécessaire que c'est important pour nous venir au Chili pour me connaître exactement ce qui s'est passé au niveau du plan de régularisation environ de plus de 100 000 haïtiens qui ont des papiers qui pour régulariser. Et je me dis que la mission, ça a son mission qui est un succès parce que nous rencontrons différentes autorités chiliennes, parmi lesquelles le directeur d'immigration Alvaro Bellonio et puis le ministre intérieur et Seigneur Andrés Chadwick. Et avec deux potentats, deux et mon gouvernement, ça y est, nous avons parlé sous différents et sous situations irrégulières que nous avons fait possible pour bailler et un statut régulier, qui veut dire que les résidences temporaires, après ça, nous avons des résidences permanentes. Et parce que ce sont bonnes nouvelles pour Haïtiens qui ont une situation régulière pour ici. Et nous, on va le corporer avec le gouvernement chilien. Et nous allons parler de l'autre partenariat que nous comptons faire avec le gouvernement chilien, parmi lesquels ça va être un jumelage avec la ville de Santiago. Et en même temps, tout, nous allons faire l'autre partenariat au niveau universitaire. Nous connaissons que l'université est de très haut niveau, de très bonne formation au niveau du Chili. Côté nous avons rencontré deux cadres de l'État qui ont une formation là, qui ont une formation, qui ont une maîtrise. Et l'université au Chili à partir de concours qui étaient faits avec l'ambassade du Chili et le ministère de la planification. Et nous avons rencontré tout et le grand héros, M. Richard Joseph, et qui était sauvé et vie en chilienne, qui était fait un pile bruit et jusqu'à présent qui a continué à marquer gros points au nom de la communauté haïtienne, qui était dans le palais législatif là, le 18 mai. Que nous te franchis ta parole avec lui. Je suis présent de la histoire. Pour Richard, salut. Donc, je salue Richard qui a fait un excellent travail et qui a représenté Haïti au plus haut niveau. Et en même temps, nous avons rencontré différents leaders comme lesquels nous M. Jean-Baptiste, différents leaders dans la communauté haïtienne. Je suis avec tout le monde, même quand il y a des leaders dans le secteur de l'éducation, communication culturelle et autres. Et je suis bien content que nous avons une communauté qui a commencé à prendre sens, prendre forme de solidarité. Et c'est ça nous besoin. Bien que je reçois doléances pour différentes situations que les Haïtiens ont confrontées. Et je dis à, pendant que côté de la je dis à, c'était tourné dans les différentes communes clés. Côté un peu haïtien et débarqué, parmi lesquelles nous allons et Koulikoura. Et nous allons dans ce. San Bernardo, et puis dans la station centrale, côté nous rencontrer avec Mère Delgado qui te recevoir nous, côté nous parler tout de possible jumelage entre et la commune de station centrale et une ville d'Haïti, même genre que le gouvernement déjà d'accord pour faire jumelage entre la ville du Chili avec la ville en Haïti.